Alors, les huiles essentielles dans ma piscine, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Je pose la question au docteur Penouël. Bonjour docteur Penouël, papa. Alors, explique-nous un petit peu ce que tu as fait avec cette piscine d'un très beau bleu. Oui, que l'on peut voir ici. On l'a récupérée parce que hier, elle était d'un vert pas très appétissant. Ouais. Et ce vert, en fait, alors il n'y avait aucune mauvaise odeur. Ouais. Pourquoi? Parce que je désinfecte en utilisant les huiles essentielles. Bon, il faut dire qu'on a quand même, on est bien placé. C'est pas ce que vous pouvez faire vous à votre niveau. Mais oui, tu as mis un paquet d'huile essentielle, c'est ça? On a la chance d'avoir quand même accès à beaucoup de matières aromatiques. Ouais. Et donc, il n'y a pas du tout de senteur croupissante, stagnante. Ouais. Au niveau bactérien, c'est parfait. Ouais. Les bactéries, c'est ce qu'on appelle des prokaryotes. Ouais. Mais les algues, ce ne sont pas des prokaryotes. Ce sont des eucaryotes comme nous, c'est les mêmes cellules. Donc, que nous. Juste pour récapituler, hier, la piscine a été toute verte. Donc, ça ne donnait pas très envie de se baigner. Mais en fait, toi, tu dis, mais il n'y avait pas de bactéries, c'était non. Que des algues. Non, parce que quand tu as une eau croupissante, tu sais bien que... D'accord. Voilà. Donc, grâce au fait que tu aies mis des huiles essentielles, effectivement, ça n'avait pas une odeur de pourri ou d'eau. Avec la chaleur. Mais ça restait vert. Avec la chaleur qu'on a maintenant, les algues pullulent. C'est pareil en Bretagne, c'est pareil ouais. À chaque fois qu'il y a ce... Donc, on avait des algues, mais pas de bactéries. Donc... Voilà. Bah, il fallait quand même faire un traitement de choc. Quand j'ai fait un traitement modéré, ça a un peu progressé, ouais. Mais très vite c'est reparti. Donc moi, dans ma thérapeutique, quand il faut frapper fort, il faut frapper très fort. Et avec quoi? Des huiles essentielles? Non, là c'est des produits spécifiques contre les algues. D'accord. Ça n'a rien à voir. D'accord. Donc avec un traitement de choc, on y arrive. Mais si on fait un traitement à minima, on ne pourra pas. C'est-à-dire que le traitement à minima, préventivement, c'est parfait. Ouais. Pour ça, je dis aux gens, utilisez vos huiles essentielles régulièrement. Tous les jours. Hein, malade ou pas malade, ouais. Ça fait partie de votre discipline aromatique. C'est le soin aromatique régulier, intégré dans votre vie, tous les jours de votre vie jusqu'à la fin de votre vie. Pour moi, tu dis, vous n'êtes pas malade, prenez des huiles essentielles tous les jours. Pour maintenir ce qu'on appelle la fitness aromatique, voilà. Ou la fitness hépatique. Beaucoup de gens diront, faites une fenêtre thérapeutique quand vous preniez des huiles. Toi, tu dis non, ça n'a pas de sens. Moi, quand je mets du curry, j'en mets tout le temps. Voilà, c'est ça. Ah, je fais une fenêtre sur mon curry. Ouais. Bah, non, ou mon harissa, je sais. Que tu prennes du curry, du persil, de la menthe, en huile essentielle, c'est pareil. C'est la même nature des molécules. Sauf que tu vas bien sûr les diluer. C'est les mêmes. Donc, tous les jours, des huiles essentielles. Mais par contre, si on est vraiment très malade, là, il faut aller en traitement de choc. Voilà, c'est-à-dire que souvent, on vous dit, prenez deux gouttes, ouais. Trois fois dans la journée, ouais. T'as une bronchite aiguë, mais tu vas rien faire. Tu vas rien faire avec ça. Si tu vas stagner. Bon, on précise quand même que tu es spécialisé en médecine aromatique. C'est-à-dire, t'es pas aroma, juste aromatologue. Médecin. Non, je suis déjà médecin. Voilà, donc en tant que médecin, tu sais, tu as traité pendant 40 ans des personnes à travers le monde, il faut des traitements de choc. Alors ça, c'est pas n'importe comment avec n'importe qui, hein, ça demande vraiment d'être formé, etc. Mais toi, donc tu dis, il faut mettre la dose, et là, on a des résultats, notamment... C'est là...